哎，今天呢，我们有一位美女呢，来给我们关这个天然气啊。大家看一下，她的这个车已经到了，在对面。我们现在要关的是什么呢？就是这个地方。不知道她怎么操作，我们一会儿拍一下视频。Ok, à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de... Non, j'ai pas besoin. Ok. Sauf que là, je vais juste prendre mon échelle parce que c'est trop. Ok. Oui, quand même, on est... Là, c'est un petit peu plus tranquille parce que quand il y a eu les mesures sanitaires, on n'allait plus chez les clients pour des fermetures, des choses comme ça. C'était okay. Que pour des urgences. Là, vu que ça l'a ouvert, on est correct, on peut retourner chez les clients. Donc, c'est pour ça que, oui, on est occupé, là, mais là, ça va commencer plus. Ça, c'est fermé, hein? Ouais, c'est fermé, mais il faut que je mette un seau. OK. Il faut que je l'ouvre, je mette un... Je vais le laisser juste comme ça. Ça, c'est le. On ne peut pas fermer nous-mêmes. Hein? Non. OK. Ben, en fait, oui, vous pourriez fermer ici. Oui. Mais pour qu'il n'y ait plus de facturation de compte de gaz, nous, on doit venir puis fermer ici pour que ce soit officiel. OK. Mais oui, vous pouvez fermer. Mettons, là, vous partez, exemple... Par exemple, en vacances, 3 mois. Exactement. Là, vous pourriez fermer ici, mais vous allez continuer à être facturé. OK. Mais ça ne vaut pas la peine de fermer pour 3 mois avec nous parce que les frais... Il y a des frais quand on vient rouvrir le compteur. OK. Fait que c'est pas avantageux. Ouais. Parce que nous, on voudrait allouer, l'appartement allouer, et après, si le locataire ici il veut activer, c'est le locataire qui appelle. Ouais, ben ouais. C'est ça qui est mieux à... Ok, c'est ok. C'est ça qui est mieux à faire. Ok, le compteur, ça veut dire que vous enlevez. Non, ça, il faut... Ok, vous mettez là-bas, oui. Ouais, comme ça, le gaz, il passe plus, c'est sûr. Ouais. Vous avez besoin d'aide? Oui, oui, vous pouvez être sûr. Oui. Peut-être que ce n'est pas très, très vertical. Hein? Le... Thank you.
Donc à l'intérieur, donc pour le foyer au gaz, pour fermer, pour activer, il faut encore appeler quelqu'un qui vient pour vérifier le... Pour ouvrir le gaz, ouais. Pour voir le plombier. Ben pas pour le plombier, mais tu sais, mettons, parce que là, il y a déjà eu une inspection qui était faite. Ouais. Mais mettons, vous voulez avoir le gaz, mettons que c'est loué, vous devez nous appeler pour qu'on vienne ouvrir le gaz. OK. Puis on va venir allumer vos appareils... Quand on va venir ouvrir le ça gaz. Ça veut dire pour activer, pour ouvrir, il faut encore payer un frais? Ouais. OK. C'est à peu près 200$? Ouais, il me semble que c'est ça à peu près. OK. Mais si on vous l'avait expliqué, j'ai vu que ça avait été expliqué parce que la dernière fois, ça... Oui, le monsieur, la dernière fois, m'a expliqué. Je pense qu'il dit que si c'est la même personne qui a activé, on doit payer. Mais par contre, si c'est un locataire qui veut activer, ouais. Lui, il ne paye pas. Non. Okay. Quand c'est le même nom, ça, tu payes. Quand c'est quelqu'un de nouveau. Ok, ça c'est bon. Ouais. C'est un foyer au gaz. Juste un foyer? Oui. OK. Ça, c'est pour tester le fuite de l'air? Ouais. OK. Mais ce matin, quand j'ai entré dans le garage, on sent un peu de... Ouais. Le gaz. Le gaz, ouais. Est-ce qu'il y a l'air qui sort? Le gaz qui sort. C'est pas supposé, fait que ça, là, je vais regarder, là, mais ouais. C'est vrai qu'il y a une petite odeur. C'était-tu au niveau des swivels, mais oui, il y a une petite odeur. OK. Je vais ouvrir celle-là aussi. D'après vous, c'est le gaz naturel, c'est mieux, ou c'est le propane, c'est mieux? Ben, la fois, c'est que le gaz naturel, là, vous l'avez tout le temps. C'est un réseau qui est dans la rue. Oui. Fait que, tu sais, le propane, vous manquez de propane, vous devez faire remplir. Ça veut dire appeler quelqu'un qui vous remplir. Exactement. Tandis que le gaz naturel, ça, c'est plus simple. Ouais. C'est dans la rue. Fait que, un coup que vous l'avez, vous n'avez plus besoin. Mais le de... coût, est-ce que c'est le pareil ou c'est différent? Le coût de la gaz naturel, mais, c'est. Honnêtement, je ne sais pas, la molécule, il faudrait regarder la molécule du propane et du gaz naturel. Pour vrai, je ne pourrais pas vous dire. OK. Laquelle qui est. J'ai un ami qui a la même chose. Il dit que proche de gaz, foyer à gaz, pour protéger les enfants, il ne veut pas activer. Il dit qu'il trouve que c'est trop dangereux. Ah ouais? Ouais. Donc, mais... il a acheté la maison avec le foyer à gaz et jamais utilisé. Il l'utilise. Ouais. Ben, le gaz naturel, on va le sentir. Ouais. On va le sentir. Je vais regarder avec le salon. OK. Ça, c'est pour tester la fuite de gaz. Ouais, ouais, ça fait des petites ballons. Envoyez ici la fuite. OK. Ça, théoriquement, ça, c'est votre tuyauterie à vous. OK. C'est vous qui devriez faire réparer le... Voyez-vous? Ouais. Je vais vous laisser. Regardez là où est-ce que ça fait des ballons là. Ouais.
Ça, c'est là qu'elle est. Qui sort. Ouais, c'est pas normal. Mais comment on va faire? C'est bon. Est-ce que le gaz, c'est liquide ou c'est l'air? Gazeux. C'est liquide. Il n'est pas liquide, non. C'est l'air. Ouais. Mais c'est, oui, c'est un gaz. C'est un gaz. Mais c'est pas liquide, non. OK. Le propane, c'est liquide. Ben oui, il peut se faire remplir liquide, mais quand, au moment de le consommer, il sort en gaz. Tu sais, dans le fond, il comprime. C'est pour ça qu'il devient... Ouais. OK. Si c'est le locataire qui va activer, c'est le locataire qui va appeler quelqu'un pour vérifier le tuyau ou le plombier. Ouais. Ben, ça dépend comment vous êtes arrangé, mais oui, ça serait. Mais ça serait ça. OK. Votre nom s'appelle comment? Myriam. Myriam. Ouais. C'est un joli nom. Ah, merci. Vous êtes québécoise? Oui, je suis québécoise. Ah, vous êtes forte. Fait que là, je vais la laisser ouverte juste pour vérifier. Parce que j'ai mis du gaz comme ça. Ça, c'est pour ouvrir, mais le gaz, il ne peut pas entrer dans la maison. Non, parce qu'il est fermé ici. Ah, OK. Pour fermer. Fait que le gaz il peut pas passer, c'est sûr. Okay. C'est l'autre tuyau, c'est pour entrer à la maison. Exactement, lui. Oh, okay. Sauf que là, présentement, vos tuyaux à l'intérieur sont en gaz. Okay. Parce que avant que moi je vienne fermer, ouais, il y avait du gaz dans tout le tuyau. Fait que, on pourrait pas, exemple, défaire un tuyau comme ça, ouais, parce qu'il y a du gaz dans le tuyau. Okay. Maintenant, le gaz va se vider. Si jamais on ouvrait un tuyau, le gaz se viderait parce qu'il n'y en a plus qui passe. Là. Il est bloqué ici. Là. Il est bloqué, oui. Mais ça reste ici, il y a quand même un résiduel de gaz. OK. C'est fort ici. Non, ça se sentait, oui. Mais si on a avec cigarette fumée ici, peut-être il va... Non, la concentration n'était pas dans la zone, ouais, dans la plage d'explosivité. On était en deçà de ça, mais quand même... C'est pas supposé que ça sente le gaz, là. OK. Le gaz est dans le tuyau, puis si les tuyaux sont bien serrés, bien pâtés, ouais, c'est pas normal que ça sente le gaz. Ça peut sentir le gaz à l'appareil, exemple une cuisinière, quand on ouvre une cuisinière gaz. Ouais. La première petite, il y a tout un petit peu de gaz brûlé. Ouais. Mais même un foyer, tu serais pas supposé sentir le gaz. OK. Parce que c'est scellé, puis. Je donne votre numéro de téléphone. Appelez-nous. Ouais. Puis nous, on va vous faire l'ouverture.